Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans cette série pour apprendre à bien écrire. Voici quelques conseils pour prévenir ou rééduquer la dysgraphie. Avec le bon matériel, la bonne posture, la bonne position des bras et des mains, et enfin, la bonne tenue du crayon et bien sûr, l'éclairage. Il faut s'asseoir avec le poids du corps sur une chaise à votre taille avec un léger appui contre le dossier afin d'éviter la fatigue. Il faut que la feuille soit légèrement inclinée par rapport au corps avec le bras incliné également, le coude écarté du corps et la main dans le prolongement du bras ou de l'avant-bras. Veillez à garder votre poignet souple lorsque vous écrivez. Votre main qui tient le crayon ou le stylo doit glisser en s'appuyant légèrement sur la feuille. L'autre main doit être placé pour tenir la feuille. Pensez à la qualité de l'éclairage et à sa projection. La lumière doit éclairer le papier sans donner de l'ombre. Avant d'écrire, pensez à une petite gymnastique de la main et des doigts. Terminons par l'appréhension du stylo, où vous devez tenir le crayon entre trois doigts, le majeur en dessous pour soutenir le crayon, le pouce et l'index pour maintenir le crayon sans le serrer. Ce cours touche déjà à sa fin. Vous pouvez accéder aux autres cours en cliquant sur une playlist. Merci de partager pour ceux qui en ont besoin et mettez un pouce si vous avez aimé. Merci.